bénira. Amen. Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Apprêter nos bloc-notes. Parce que nous voulons aller à l'école du Seigneur. Est-ce que tu peux dire à l'école du Seigneur? À l'école du Seigneur. Oui, nous voulons aller apprendre des choses. De Dieu. Le thème que j'ai choisi, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse partager avec toi aujourd'hui, je l'ai intitulé l'orgueil, poison pour la destinée. Au travers de cet enseignement, nous allons voir comment l'orgueil peut détruire la vie d'une personne. Nous allons comprendre ensemble l'origine de l'orgueil. Nous allons comprendre ensemble comment le diable travaille avec l'orgueil. Et nous allons finir par comprendre ce que c'est la Bible dit par rapport à l'orgueil. Nous allons, le premier verset que nous allons lire, que j'aimerais qu'on puisse m'envoyer au tableau, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste ». Aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que nous pouvons tous les lire ensemble au tableau? 1, 2, 3. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Aux humbles. Il y a deux personnages qui sont là, on parle des orgueilleux et on nous parle de ceux qui sont humbles. Proverbe chapitre 29, verset 23. La Bible nous dit ceci. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? La gloire. J'aimerais que nous les lisons aussi d'un commun accord ensemble. Let's go. L'orgueil. Obtient la gloire. Amen. Et pour terminer, nous allons lire Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. La Bible nous dit, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède quoi? La chute. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons demander au pasteur Alain qui va prier pour ce message. Prions au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Nous venons ce matin, Seigneur, au pied de ta croix. Nous voulons entendre les paroles qui sortiront de ta bouche. Utilise puissamment ton loin, ton serviteur que tu t'es choisi ce matin pour nous enseigner. Donne-nous l'écoute des disciples, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui est distraction, tout ce que le diable pourra mettre pour nous empêcher d'entendre, de comprendre et de retenir ta parole. Nous le rendons nil et sans effet au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles pour que nous puissions voir, entendre et comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. Merci, nous commençons maintenant. Lorsque Dieu avait créé l'être humain, Dieu avait dit dans sa parole, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi, l'être humain, le sixième jour, avait été créé.
Et l'homme que Dieu avait créé, Dieu avait placé dans l'homme certaines valeurs. Étant un être humain, pour avoir un bon équilibre dans notre vie, pour être équilibré, nous avons besoin de ce que j'appelle l'estime de soi. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'une certaine fierté en nous. L'estime de soi et la fierté, c'est ça qui fait que l'être humain puisse avoir de l'équilibre. Et c'est un élément qui est très important par rapport à notre développement personnel. Tout être humain a besoin de l'estime de soi. Tout être humain a besoin d'une certaine fierté dans sa vie. Ce qui est tout à fait normal. Mais lorsque l'être humain perd l'estime de soi ou la fierté, on trouve que l'être humain se perd. Bien-aimé, l'estime de soi, la fierté personnelle en tant qu'être humain, c'est ça qui nous empêche de faire certaines erreurs dans la vie. Lorsque l'homme perd la fierté ou l'estime de soi dans sa vie, il sera en mesure de faire tout. Il n'y aura pas de limite. Il sera livré à faire même des choses qu'on ne peut pas trouver normales. Mais la personne peut le faire. Tout simplement parce qu'en lui, il n'y a pas l'estime de soi. Il n'y a pas une fierté. Dieu a créé l'être humain avec l'estime de soi. Dieu a créé l'être humain à avoir la fierté. Je dis cette fierté d'avoir accompli quelque chose dans la vie. On est tous fiers d'avoir accompli. Lorsque, bien-aimé, nous avions accompli quelque chose. Lorsque tu as réussi ton mariage, lorsque tu as réussi dans tes études, lorsque tu as réussi sur le plan professionnel, ça procure une certaine fierté. Lorsqu'un enfant réussit dans ses études, les parents sont fiers de lui. Pourquoi? Parce qu'elle fait la fierté de ses parents. La fierté peut nous pousser, bien-aimé, aller plus loin dans la vie. Pourquoi? Parce que, par exemple, mes parents n'ont pas assez étudié, n'ont pas allé à l'université. Mais pour que mes parents soient fiers de moi, je vais étudier, aller loin, accomplir ce que mes parents n'ont pas accompli. Atteindre les limites que mes parents n'ont pas atteint, juste par fierté. La fierté, bien-aimé, peut faire en sorte qu'une famille, vous puissiez marcher dans la droitine, garder de bonnes valeurs pour protéger l'honneur et la fierté de la famille. Dans une famille, lorsque vous perdez la fierté, lorsque vous perdez cela, voilà pourquoi dans la famille, les gens peuvent se livrer à n'importe quoi. La fierté ou l'estime de soi peut faire en sorte que non, je n'accomplirai pas telle chose dans ma vie parce que je ne vais pas faire la honte de mes parents. Je ne vais pas faire la honte de ma famille. La fierté peut faire en sorte que lorsque je pars dans mon mariage, que je me conduis dignement pour faire la fierté de mes parents. La fierté peut te pousser à aller loin dans les études. La fierté peut te booster à travailler dur, à cultiver l'excellence dans tout ce que tu fais pour aller loin dans la vie, à cause de la fierté. Mais la manque de fierté peut faire en sorte que ta vie, que tu puisses tourner en rond, que tu acceptes même l'inacceptable dans ta vie. Le plus dangereux dans la vie, lorsque l'homme perd l'estime de soi, lorsqu'il perd la fierté, l'homme devient à la merci de tout. Une femme qui n'a plus d'estime de soi, qui n'a plus de fierté, elle sera à la merci de n'importe quel gigolo aventurier. Une femme qui n'a plus l'estime de soi, son corps peut devenir un objet de plaisir, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'en elle, il n'y a plus d'estime de soi, il n'y a plus de fierté. La fierté peut empêcher un jeune garçon d'aller derrière le McDonald's, de fumer un joint. Pourquoi? Parce que je vais faire la fierté de mes parents. La fierté, c'est ce qui t'aide à te tenir debout. La fierté, c'est ce qui t'empêche de descendre plus bas, de faire des choses qui peuvent procurer de la honte à
toi et à ta famille. La fierté d'une femme mariée peut faire en sorte qu'elle puisse bien se conduire dans son mariage, être fidèle à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je suis une femme de valeur, j'ai la fierté en moi. Je ne peux pas tricher dans mon mariage. Mais regardez beaucoup d'impudicité, d'adultère sont le fruit. Lorsqu'une personne manque la fierté dans sa vie, c'est très dangereux. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous en avons tous besoin de la fierté. Même dans le Seigneur, pour que tu sois un bon pasteur, tu as besoin aussi de la fierté. La fierté fera en sorte que tu puisses te conduire dignement pour que ceux qui te regardent, ceux qui te voient, tu sois le modèle même de notre Christ. Je ne vais pas faire la honte de mon Dieu. Voilà pourquoi, à cause de cette fierté, je vais donner gloire à Dieu. C'est cette fierté-là, c'est cette estime de soi que nous avons. Mais, pasteur Serge, comment un être humain perd-il l'estime de soi et la fierté? Bien aimé, parmi la première cause qui fait en sorte qu'un être humain puisse perdre, bien-aimé dans le Seigneur, puisse perdre l'estime de soi, c'est aussi d'origine, depuis sa naissance. Lorsqu'on est né, on grandit et qu'on découvre qu'on n'avait pas été un enfant qui était désiré par les parents. Lorsque dans la vie on découvre qu'on était le fruit d'un accident, ça vient te chercher dans ton fort intérieur. Tu peux perdre la fierté en tant qu'être. Lorsque tu as grandi dans une famille où on ne faisait que te ridiculiser, comme je vois avec d'autres parents, il suffirait que l'enfant puisse faire quelque chose. Le père ou la mère peut facilement sortir des paroles décente vis-à-vis de l'enfant pour le ridiculiser. Toi, tu seras bête toute ta vie. Tu ne réussiras pas. À force d'écouter de paroles négatives sur ta personne, ça détruit l'équilibre intérieur. Ça détruit cette fierté. Ça détruit l'estime de soi. Et la personne grandit avec ça, avec ce déséquilibre intérieur. Tu peux trouver un homme debout, bien. Physiquement, lorsque tu le regardes, il est correct. Mais dans son fort intérieur, c'est une personne qui est brisée, qui a perdu l'équilibre intérieur, qui n'a plus d'estime de soi, qui n'a plus de fierté. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a beaucoup de choses, papa, dans la vie que les gens font. Tout cela, la cause de tout cela, c'est parce que l'homme n'a plus d'estime de soi, il n'a plus de fierté. Voilà pourquoi tu peux trouver un garçon qui sort avec des filles, qui sortent de fille en fille. Le problème, ce n'est pas parce qu'il est beau ou parce qu'il parle bien. Le problème est que c'est un homme qui est malade. Il pense qu'en allant d'une fille à une autre, il va trouver cette fierté-là qu'il n'a pas en lui. Le problème, ce ne sont pas les filles, le problème, c'est lui. C'est un être qui est malade. C'est parce qu'il trouve que lorsqu'il parle, il y a la liste est longue. Il pense que c'est ça la fierté dans la vie, malade. Amen. Il est beau. Les filles le courent après. Regardez la liste qu'il a. En fait, dans tout cela, c'est que la personne est brisée, la personne est malade. Le manque, bien-aimé, d'estime de soi ou de fierté personnelle peut être aussi causé, bien-aimé, dans le Seigneur, par un défaut avec lequel on en est. Je parlais encore l'année passée avec une demoiselle. Il me dit, pasteur, je suis parti, je suis allé avec mes amis, on est allé dans la boîte de nuit. J'ai grandi toute ma vie. Le seul fait que j'étais de grande taille, une femme ronde, il dit mes parents avaient honte de sortir avec moi parce que j'étais ronde. Imagine-toi quand tes propres parents commencent à avoir honte de toi parce que tu es grosse. Parce que partout où tu vas, tout le monde te regarde.
Il dit, mes parents marchaient, moi je restais derrière. Pourquoi? Parce que j'étais de grande taille. J'étais tellement lourd que j'avais du mal à marcher au même pas que mes parents. Depuis sa famille, cette fille a été brisée. Elle a perdu la fierté et l'estime de soi. Tout simplement parce que ses propres parents n'étaient pas fiers d'elle. Elle est allée à l'école, elle a fait le secondaire, elle a fini. Le jour où il y a eu la bague de finissant, ils ont dit le lendemain, nous allons aller à la boîte. Ils étaient à 10, le groupe des filles. Il me dit, pasteur, ce jour-là, on arrive devant l'entrée de la boîte. On fait entrer la première personne, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Lorsqu'il est arrivé mon tour, les portiers bloquent la porte. Il dit, cet endroit n'est pas destiné à la femme de ta taille. Tu n'as pas une place ici. Sors. Imagine-toi, lorsque tu entends ça, en rentrant chez toi à la maison, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Tu es encore brisé. Rejeté par tes propres parents, rejeté par la société. Imagine-toi une telle personne, lorsqu'il se regarde dans le miroir, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, ce sont les paroles négatives qu'elle a entendues toute sa vie. Que tu es grosse, que tu es pas belle. Et à force d'écouter toutes ces choses-là, ça détruit l'âme intérieure, ça détruit la personne intérieure que tu es. Tu perds ton équilibre, tu perds ta fierté. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, d'autres femmes, qui sont devenues des objets de plaisir pour des hommes. Pourquoi? Parce qu'en elles, elles ont perdu l'estime de soi, la fierté d'une femme. Elle peut coucher avec n'importe qui. Même avec un fou, même avec un voyou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui la limite. Elle n'a pas de fierté par rapport à son corps, par rapport à sa femme, par rapport à sa vie. Et c'est ça que tu entends du discours du genre. Même si je lui donne mon corps, quand je sors dans la rue, je prends mon bain, je sors dans la rue, qui va le savoir? Mais en tant qu'être humain, dans ton fort intérieur, tu te sens sale. Tu te sens moins que. Et c'est comme ça que dans la vie, nous perdons notre estime de soi. Je parlais un jour avec un de mes cousins. Il dit, pasteur, nous avons grandi dans la pauvreté. J'allais à l'école, je voyais mes amis avec de belles baskets, de belles tenues. Moi, dans le groupe, j'étais le plus pauvre dans le groupe des garçons. Toutes les filles regardaient les autres garçons. Moi, ils ne me regardaient pas parce que je ne flashais pas. Parce que je n'avais rien qui pouvait attirer les filles. Toutes les filles couraient derrière mes amis et moi, j'étais à la merci de rien. Les amis se moquaient de moi, les amis riaient. Quand on est jeune, on pense que c'est une blague. Mais petit à petit, ça te détruit, ça vient te chercher dans ton fort intérieur. Ça détruit ton estime. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais plus, tu ne te vois plus, tu ne sais plus qui tu es, tu perds tes repères. Il y a une haine qui est née en toi vis-à-vis de la société. Et tu vis avec ces poisons en toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens que nous côtoyons chaque jour, on se pose des questions. Pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? C'est parce que ces gens-là, dans leur parcours, ils ont été empoisonnés par les paroles qu'ils écoutaient. Ils ont été empoisonnés par le parent. Comme un garçon me disait, nous, c'est notre propre père. Mon grand-père, il battait mon père, il minimisait mon père. Et quand mon père nous a eu, pour notre père, pour garder l'équilibre, avoir l'autorité sur la maison, il minimisait même ma mère. Il pouvait insulter ma mère devant tout le monde. Lorsqu'on est détruit, lorsqu'on n'a plus l'estime de soi, on fait perdre aussi aux autres leur estime de soi. Une personne qui n'a plus de fierté, qui n'a plus d'estime de soi, tout ce qu'il fait, il rabaisse les autres. Parce que lui-même, il n'en a pas. La Bible dit, on donne que c'est comme quand on n'a plus l'estime de soi. Épouser un homme, épouser une femme, qui est brisé dans son intérieur, qui n'a plus d'estime de soi. Bien-aimé, si tu vivras un mariage malheureux, un mariage où tu seras insulté chaque jour, où tu seras ridiculisé chaque jour. Voilà pourquoi Dieu nous demande cette fierté-là,
en tant qu'être humain. C'est cette fierté-là qui nous empêche de descendre trop bas, d'accepter du n'importe quoi dans notre vie. Mais le plus grand danger entre l'estime de soi et la fierté personnelle, entre la fierté personnelle et l'orgueil, la frontière est tellement minime. Facilement, tu peux, en ayant l'estime de soi, tu peux facilement glisser vers l'orgueil sans que tu te rendes compte. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont un problème d'estime de soi, glissent facilement vers l'orgueil. Pasteur Serge, pourquoi ces gens-là glissent facilement vers l'orgueil? Bien-aimé, lorsqu'on t'insulte, ce qui fait que l'insulte ne t'affecte pas, c'est lorsque l'insulte te rencontre l'estime de soi au fond de toi. Lorsque tu sais qui tu es, même si on t'insulte, ça ne me fait rien. Parce que I know who I am. Lorsque je sais qui je suis, aucune parole ne peut me bouleverser. Mais lorsque la personne est malade au fond d'elle, tout ce qui sort de l'extérieur, parce qu'elle n'a pas de repère, vient le chercher et le détruit. On m'a insulté, on a dit ça, on a dit ceci. Le grand problème, ce n'est pas ce que les gens disent. Le plus grand problème, c'est que la personne en elle-même, elle n'a pas de repère. Elle ne connaît pas qui elle est. Papa, dans la vie, personne ne te dira qui tu es. La seule personne qui te connaît mieux, c'est toi-même. Voilà pourquoi lorsque tu te connais, personne d'autre ne peut te dire ce que tu n'es pas. Lorsque tu ne connais plus, que tu ne connais pas ce que tu es, tu vas aller chercher l'approbation des hommes. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils racontent de moi? Quand ils disent que tu es beau, tu es bien, tu es content. Mais quand ils disent que tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es brisé dans ton fond intérieur, parce que tu ne connais pas qui tu es. Regarde ton voisin. Tu lui dis, tu dois te connaître qui tu es. La délivrance dans la vie, ce n'est pas seulement faire de longues prières sur toi. La délivrance dans la vie d'un être humain, c'est lorsqu'il connaît sa vraie identité. Lorsqu'il connaît qui il est. Papa, tu peux prendre une femme qui était une prostituée, tu l'amènes à l'église, tu lui parles de Jésus, elle découvre la valeur qu'elle a. Lorsque tu lui dis, ma chère, Dieu ne peut pas créer un être humain pour qu'il soit un vaurien. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de l'estime de soi. Mais lorsque la femme qui était une prostituée découvre la valeur qu'elle a devant le Seigneur, je ne pense pas qu'elle va là encore se prostituer. La plupart de toutes ces femmes qui se prostituent, ce sont des gens au fond d'elles-mêmes. Elles ont perdu des repères. Elles n'ont plus l'estime de soi. Elles n'ont plus de fierté dans la vie. Voilà pourquoi Dieu nous a créés avec l'estime de soi et la fierté pour nous garder en équilibre, pour faire face, parce que Dieu savait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on dira du mal de vous. Même Jésus-Christ, on a dit du mal de lui. Dans ce monde, partout où nous allons, on dira du mal de nous. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que nous puissions rester debout, même quand on nous insulte, même quand on essaye de transformer notre image? C'est l'estime de soi. Ce n'est pas à toi de me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Amen. Voilà pourquoi même quand tu me dis tu es ceci, tu es cela, I don't care. I know who I am. Le manipulateur dans la vie cherche des gens qui n'ont pas l'estime de soi, qui ne connaissent pas qui ils sont. Voilà pourquoi les hommes t'utilisent comme un objet de plaisir. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi les femmes se jouent de toi, parce qu'ils savent que tu es un homme. Mais au fond, à l'intérieur de toi, tu n'as pas l'estime de soi. Un homme qui a l'estime de soi, qui a l'ego, il n'acceptera pas n'importe quoi dans sa vie. Il saura dire non là où il faut dire non. Maintenant, les gens qui ont perdu l'estime de soi. Une femme dans son mariage peut perdre la fierté et l'estime de soi. Avoir un mari qui l'abuse verbalement. Tout le temps, une femme qui s'est fait insulter, elle finira dans son mariage
par perdre l'estime de soi. Voilà pourquoi j'ai dit, Aya, dans un mariage où, dans un mariage des gens civilisés, les gens ne s'insultent pas. Pasteur, moi j'ai grandi dans une belle famille, on a eu une bonne éducation. Où est l'éducation que tu prétends avoir de tes parents? Voilà pourquoi je dis toujours aux jeunes garçons, vous qui n'êtes pas mariés, actuellement, écoutez-moi, actuellement, le parent n'éduque plus les enfants, ils élèvent les enfants. L'éducation est devenue rare. Voilà pourquoi les jeunes garçons, écoutez-moi, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez bien, ne sois pas celui qui paye le prix d'une éducation ratée dans une famille. Amen. Le parent, ils vont rater l'éducation de leur fille, ils vont te les donner. Tu vas avoir cette fille comme un fardeau. Avec cette éducation ratée, d'ailleurs, tu feras ça, tu deviendras philosophe. Le parent, ils achètent tout à leurs enfants. Ils achètent des jouets, ils achètent des laptops, ils achètent tout aux enfants. Mais le plus grand problème, ils n'éduquent plus les enfants. Tu vas aller dans les mariages, tu trouves que la famille de ta femme, ils sont contents, ils chantent, ils sont en train de danser. Toi, dans ta tête, tu crois que tu as gagné les jackpots. Ils sont en train de danser parce qu'ils se sont débarrassés de la personne la plus mal éduquée de la famille. Tu es en train de danser là avec de belles paroles. Les gens ont pitié de toi. C'est vrai. Moi, je prêche la vérité. Ce qui ne se prêche pas dans les églises ici, moi, je les prêche. Regardons-nous dans les yeux, papa. Disons-nous des vérités. Les gens sont contents dans la fête. C'est à cause parce qu'ils savent qu'ils... Elle était la problématique dans la famille. Quand on s'est séparé d'elle, on dit Mama Tobiki. Oui. Qui ça part? Bonne allée. Et là où elle va partir, vous n'allez pas voir du feu. Vous allez voir de la fumée en haut. À sa pellicule monte. La fierté, bien aimée. Lorsqu'on n'en a pas, on fera n'importe quoi. Mais maintenant, Dieu nous a créés avec cette fierté pour nous garder à l'équilibre. Il sait que dans la vie, tu vas rencontrer des situations, des choses. Tu peux rencontrer un échec. Mais lorsqu'au fond de toi, tu es debout, tu as l'estime de soi, tu as une certaine fierté, tu peux te dire l'échec fait partie du succès. L'échec, ce n'est pas la finalité. Je peux échouer aujourd'hui. Mais lorsque je sors de l'échec, je sors avec une leçon. Je sors avec une expérience. L'échec ne me limite pas. Mais celui qui n'a pas l'estime de soi, qui n'a pas de fierté, lorsqu'il fait une erreur, lorsqu'il tombe dans l'échec, il est perdu, il reste là. Il va rester là. Il ne va pas avancer. L'estime de soi nous aide, même si tu as échoué, de te garder la tête haute, de continuer à avancer. Parce que tu crois en toi-même, tu crois à la personne que tu es. Mais la personne qui n'a pas l'estime de soi, les échecs vont chercher chaque jour à baisser sa valeur. Il perd sa valeur. Ça peut arriver dans la vie. Je peux échouer dans mon mariage. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la finalité. C'est l'estime de soi qui m'aidera à garder la tête haute, à continuer le chemin. Amen. Sans être brisé, sans perdre l'estime de soi. Voilà pourquoi je t'ai dit aujourd'hui, ayez un front dur comme le diamant. Papa, la vie, des fois il faut être têtu par rapport à qui tu es, par rapport à ta personne. Amen. Lorsque tu connais qui tu es, personne ne va te l'enlever. Amen. Ne cherchez pas que les gens puissent te dire qui tu es. Ne cherchez pas que les gens, ne cherchez pas l'approbation des hommes. Les mêmes personnes qui te diront aujourd'hui tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, ce sont les mêmes personnes demain qui vont te ridiculiser. Amen. Ne bâtis pas ta personnalité sur ce que les gens te racontent. Amen. Construis
la personne intérieure que tu es. Bâtis ta fierté, bâtis ton estime de soi. Amen. Mais pour garder l'estime de soi, la fierté, ne te base pas sur tes erreurs du passé. Amen. Ça va t'envoyer par terre. Amen. Construis ta personne par rapport aux valeurs que Dieu dit de toi que tu Amen. Es. Lorsque nous regardons dans la Bible, Pierre, trois fois il a renié Christ. Lorsque nous regardons dans la Bible, Pierre a abandonné l'œuvre de Dieu, il est rentré à la pêche. Jésus a dit, je ne changerai pas de personne. Quand caillou Pierre, je viendrai te chercher, je vais te ramener dans ce travail. Et Pierre s'est levé. La Bible nous dit, ce jour-là, quand il avait renié Christ, c'était devant une femme, un homme puissant dans la parole, mais qui a flanché devant une femme. Mais lorsque Jésus est revenu vers lui, il lui a parlé. La Bible nous dit, Pierre s'est relevé, il a prêché la parole. 3000 personnes se sont converties, one shot. 3000. Maintenant, lorsqu'on perd l'estime de soi, on perd la fierté. C'est à ce moment-là qu'on va aller chercher quelque chose pour qu'on plaise vite, que tu aies. Parce qu'il y a envie dans toi, tu n'as pas la fierté. Lorsque tu regardes dans le miroir, tu n'aimes pas la personne que tu vois. Lorsque, bien aimé, tu te regardes, la seule voix que tu écoutes, ce sont les insultes qu'on dit de toi. Souvent, les gens qui ont un problème d'estime de soi, tu sais comment tu peux les reconnaître? Ils sont très attachés à ce que les gens disent d'eux. Paolo Banini, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Même sur les réseaux sociaux, tu vas les reconnaître. Quand on l'insulte, ma poste est bannie. Tout. Tu peux juste regarder le poste d'un homme ou d'une femme pour savoir que ce gars a un problème d'estime de soi ou de fierté. Même si vous m'haïssez, Dieu est avec moi. Il a un problème. Un jour, Dieu va combattre mes ennemis. You have a problem. You have to fix that problem. La personne cherche l'approbation des autres. Maintenant, quand il y a un vide, on cherche à combler ce vide intérieur que tu as. Comment tu peux faire pour combler ce vide? C'est ça qui fait que facilement, les gens vont traverser de l'autre côté, du côté de l'orgueil. Il va aller chercher l'orgueil pour combler le vide qu'il a. C'est à ce moment-là que l'orgueil naît dans notre vie. Pourquoi? Le but de l'orgueil, c'est tout simplement pour combler un vide intérieur. Alors, pasteur Serge, au fait, c'est quoi l'orgueil, Yaya? L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de notre propre valeur. Lorsque tu n'as pas de valeur, tu vas aller vers l'orgueil, chercher cela. En fait, c'est un sentiment exagéré. Parce que lorsque tu es malade à l'hôpital, Yaya, on te donne la dose. De 24, je ne sais pas comment la dose dans le CRN, là, quand l'unité là de dose, c'est quoi? Des CC. Des CC. On te donne 30 CC. Mais lorsqu'on voit que la maladie persiste, les médecins te disent, on va augmenter la dose. On va te donner maintenant 10 CC. Ça veut dire qu'il faut qu'on te donne une dose qui soit en mesure de neutraliser cette maladie. C'est comme ça aussi, quand tu es malade au fond de toi, tu n'as pas l'estime de soi et de fierté. Il fallait augmenter la dose pour te droguer. Comment je peux expliquer ça? Souvent, les gens qui ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher la bière pour noyer leurs problèmes, pour oublier, n'est-ce pas? Ils savent que quand je suis saoul, j'oublie mes problèmes, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est comme une drogue. Quand tu as un problème d'estime de soi, pour boucher ce trou-là, tu commences à te shooter le orgueil dans tes veines pour essayer de compenser le vide que tu as, les déséquilibres que tu as. En fait, les orgueilleux, ce sont des gens qui sont malades. Quand tu trouves quelqu'un qui est souvent dans l'orgueil, ça veut dire qu'au fond d'elle, elle a un besoin. Elle est en train de chercher de l'estime, de la valeur intérieure qu'elle n'en a pas.
En fait, les hommes orgueilleux, ce sont des gens qui n'ont pas les problèmes avec d'autres personnes. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Le problème, c'est quoi? Il cherche à se convaincre lui-même qu'il a de la valeur. Il cherche à se convaincre lui-même qu'il a un homme. Il cherche à se convaincre lui-même que c'est un homme, qu'il est bien, qu'il est belle. Alors, lorsqu'il a un problème avec soi-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller vers l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil t'a procuré? L'orgueil, ça te donne un sentiment exagéré de toi-même et qui te fait oublier que tu as un problème. C'est à ce moment-là dans la vie que la personne commence à développer l'orgueil. Alors, un orgueilleux, dans la plupart des cas, ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Est-ce que tu sais ça? Les orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Quand tu demandes à un soulard dans les bars, même s'il marche en titubant, même quand tu lui dis tu les saoules, il dit non. Je suis normal. Même quand il est sous les effets de la drogue, il marche en titubant. Quand tu lui dis papa, viens, je vais te faire traverser la rue. D'habitude, tu vois, laisse-moi. Je vais traverser moi-même. C'est comme ça que les orgueillés sont. Ils sont comme des soulards sous l'effet de la drogue. C'est comme ça qu'ils font. Pour se shooter de l'orgueil et trouver l'équilibre au fond des mains. C'est comme ça que tu vas trouver qu'une personne devient jour après jour orgueilleuse. Il glisse petit à petit. Pourquoi? Parce que la frontière entre la fierté personnelle qui est normale et l'orgueil, la frontière est très petite. Donc tu peux glisser facilement sans que tu puisses te rendre compte. Bien aimé, comment on peut reconnaître un homme orgueilleux? Pasteur Serge. Un homme orgueilleux, c'est un homme, dans sa façon d'agir, tu vas trouver que ce sont des gens qui ont toujours un mot à dire sur ce que les autres font. Un homme orgueilleux, il a toujours quelque chose à dire. Même lorsqu'il n'y a rien à corriger, il faut qu'il trouve quelque chose à corriger. Un homme orgueilleux, lorsqu'il te rencontre, la première des choses pour qu'il se sente bien à côté de toi, il doit chercher tes faiblesses. Maintenant, il va commencer à se comparer par rapport à tes faiblesses pour se sentir grand par rapport à toi. Or, il est petit devant toi. Même quand on lui dit, elle est plus belle que toi. Non, elle n'est pas plus belle que moi. Elle est de courte taille par rapport à moi. Il est allé chercher la taille de la personne pour compenser l'équilibre. Quand on dit que ce gars-là, il a de la personnalité par rapport à toi, prof, il n'est pas beau. Tu crois que la beauté, c'est ça qui fait la personnalité d'un homme? Les gens orgueilleux, ils ont un problème en eux-mêmes. Ils vont aller chercher les failles des autres. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, les gens qui sont orgueilleux, quand ils parlent que des faiblesses des autres. Un homme orgueilleux ne peut pas parler de bien des autres. Un homme orgueilleux ne peut pas relever les autres. Il faut qu'il rabaisse les autres pour qu'ils se sentent plus grands que eux. Parce que lui, son besoin, il est petit dans son intérieur. Il cherche à être grand. Maintenant, au fond de lui, il doit chercher des failles auprès de toi. C'est ça que quand tu as une femme, tu épouses un homme orgueilleux qui a un problème, tu vas trouver toujours, femme soyez soumise. Quand tu vois qu'un homme commence à demander femme soyez soumise, il a un problème. Il a une sorte de complexe d'infériorité par rapport à la femme. Maintenant, pour trouver de l'équilibre, il te sort des versets bibliques. Femme, soyez soumise. Un homme qui se sent homme dans son mariage, il n'a pas besoin de rappeler à sa femme tout le temps, soyez soumise. Non, tu es un homme. Amen. Il y en a d'autres hommes, quand il épouse une femme, il trouve que sa femme est plus intelligente que lui. Il va commencer à minimiser la femme. C'est ça que tu vois d'autres garçons
Ils ont peur de filles qui sont des femmes de principe. Des femmes qui ont étudié. Des femmes qui savent ce qu'ils font. Ma soeur, tu es une femme de principe. Et même si tu es célibataire, ne te minimise pas. Amen. Un homme qui a une personnalité ne peut qu'épouser une femme qui a une personnalité. Alléluia. Les hommes d'habitude, papa, ils fuient les femmes qui sont des femmes de caractère. D'habitude, quand tu entends un homme commencer à dire, cette femme-là, elle est têtue, elle est impolie. Elle n'est pas têtue, elle n'est pas impolie. C'est parce qu'il se sent petit devant toi. Tu vas trouver à l'église. Tu as un frère. La sœur, elle est là, elle est belle. Va dire à la sœur que tu l'as. Tu prends la Bible et tu commences, oh sœur, je vais t'exhorter. Aujourd'hui, c'est Matthieu. Demain, c'est Apocalypse. Et le lendemain, quand tu enceintes, quand tu entends la sœur se fiancer, papa, on s'est suicidé. La sœur Mélanie, vraiment, pourquoi elle m'a fait ça? Mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Hein? Qui t'avait dit que la sœur Mélanie, toi, tu étais son cousin? Les hommes, nous devons apprendre à parler. Amen. Les sœurs de cette église sont orgueilleuses, ne sont pas orgueilleuses, c'est toi qui as peur d'elle. Tu as peur. On donne une belle acclamation à notre Dieu. Moi, je prends la sœur, c'est qu'elle m'a fait. Mais elle t'a fait quoi? Je l'ai encadré. Oh. Mais est-ce que tu lui avais dit que tu Alléluia. Peut-être il était ta femme en esprit. Ne sois pas trop spirituel, mes frères. Amen. Amen, hein? Amen. Ne sois pas trop spirituel. Quand tu aimes la personne, va voir la personne. Assieds-toi avec la personne. N'aie pas peur d'une femme de loin. Va voir la personne. Discute avec la personne. Mais les problèmes avec toi, culture générale zéro. Comment tu vas aller aborder une femme qui est cultivée? Quand il te demande, parlons un peu de sur la géographie. Yo, t'as la loca va m'apporter. En Afrique, c'est tout à l'ouest. C'est ce que je dis toujours aux gens. Moi, je prêche comme ça. Je dis toujours aux gens, Yaya, cultivez-vous. Cultivez-vous. Quand tu amènes une femme au restaurant, il faut savoir se vendre. Montre-la que tu as une tête. Le problème avec toi, yo, t'as la table. Tu vas aller trouver une femme bien bâtie, elle est infirmière, elle est instruite, elle a étudié. Vous voyez, c'est inu. D'ailleurs, une femme, ça prend 5 minutes pour qu'il sache dans la conversation quel genre d'homme qui est en face de lui. Tout ce qui vient après, ça, ce sont des théâtres. Ça prend 5 minutes seulement quand tu parles avec elle. Elle saura si tu es à la hauteur d'être un prétendant. Amen. Amen. Tu vas continuer à donner des cadeaux dans sa tête. Tu n'es pas parmi les prétendants. Amen. Amen. Personne ne peut le soigner. C'est ça qui arrive quand tu vas au restaurant. Après, tu la rappelles, le téléphone est bloqué. Le numéro est hors service. Frère, tu as échoué. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois apprendre à te construire. Tu dois apprendre la culture générale. Parce que quand dans certains milieux, certaines personnes, quand tu les as, même les femmes aussi. Je me rappelle quand on était étudiant, en deuxième graduat, on était avec les amis deux fois.
on s'asseyait, on mangeait, les amis venaient avec leurs copines. Papa, quand tu es cultivé, je trouve que c'est une femme qui est cultivée. Des fois, dans le groupe, même les étudiants en Kinshasa, ils aimaient beaucoup parler en français. Des fois, quand les amis amenaient leurs copines, et la fille, elle était là, calme. Mais pourquoi toi, tu ne parles pas? Oh non, moi, je suis comme ça. Elle n'est pas comme ça, français, elle est vite. Elle ne sait pas comment parler en français. Maintenant, tu es réveillé, je peux continuer ma prédication. Amen. Alors, comment reconnaître des hommes orgueilleux? Un homme orgueilleux, bien-aimé, c'est une personne qui est malade, qui a un problème de personnalité et d'identité. Cette personne qui a un problème d'identité, c'est lié aux fausses informations qu'elle a par rapport à elle-même. C'est ça qui fait qu'avec toutes ces fausses informations-là, elle a réussi à bâtir une personnalité tronquée. Pourquoi? Parce qu'elle a bâti sur base des mauvaises informations qu'elle avait sur sa personne. Alors, c'est ça qui fait que, qu'est-ce qui arrive dans ce genre de personnes? Tu vas trouver qu'un homme orgueilleux, même quand vous parlez, tu sais pourquoi la personne orgueilleuse hausse la voix? Une personne orgueilleuse dans son psychique, dans son mental, il pense que quand il a fait une erreur, ça fait partir sa valeur. Elle n'a plus de valeur. Donc pour elle, même quand tu parles avec la personne, tu es en train de la convaincre qu'elle est dans le rêve. Un homme orgueilleux n'accepte jamais le rêve. Tu sais pourquoi? Parce que dans sa tête, elle s'est dit, si j'accepte le rêve, je perds de la valeur devant cet homme. Voilà pourquoi, là, quand tu parles avec une personne qui est orgueilleuse, la plupart des cas, elle ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à trouver la solution. Il cherche à avoir raison. Pourquoi? Parce que s'il accepte qu'il a fait une erreur, ça va le détruire encore de l'intérieur. Parce qu'il est déjà détruit. C'est ça qui fait qu'une personne orgueilleuse, difficilement ils acceptent les reproches. Pourquoi ils acceptent les reproches? Parce qu'en lui, il sait que s'il accepte le reproche, il accepte qu'il a oublié, il accepte qu'il a mal agi, il perd la personnalité. Mais un homme qui est équilibré, qui a l'estime de soi, il s'est dit au fond d'elle, je suis un humain, je peux faire une erreur. Voilà pourquoi un homme qui est normal peut facilement demander pardon. Pourquoi? Pour lui, le rêve, une faute, ça fait partie de la vie d'un homme. Je peux échouer, je peux faire des erreurs. Regardez dans nos couples. Tu vas trouver que nos couples sont bâtis par des gens qui sont malades. Pourquoi les gens ne se demandent pas pardon dans nos couples? Le pardon d'un orgueilleux, c'est dans la bouche, c'est superficiel. Bon, si j'ai mal agi, bon, pardonne-moi, hein, c'est fini. Ça ne vient pas de là, ça vient de là. Il est banal complètement. Il a commis l'erreur, mais il ne va pas te dire, je fais une erreur, je suis un homme, je suis une femme, pardonne-moi par rapport à cette erreur. Un homme normal le fait. Mais une personne qui n'est pas normale, bon, c'est arrivé. Hein. On tourne la page, on passe à autre chose. Hein. Voilà pourquoi les orgueilleux ont du mal à demander pardon. Les orgueilleux ont du mal à reconnaître leur faille, à reconnaître leur orgueil. Le orgueilleux, bien-aimé, recherche la gloire personnelle dans tout ce qu'il fait. Même quand il fait quelque chose, derrière ce qu'il fait là, il peut faire un semblant d'humilité, mais la personne recherche la gloire. Un orgueilleux, même s'il est prédicateur de la parole, comme je prêche là, après la prédication. Frère, comment vous avez entendu la prédication? Il cherche qu'on les glorifie. Frère, j'ai dirigé la prière. Comment vous avez trouvé? La personne vide, il cherche la gloire. Qu'on puisse lui dire, oh papa, c'était merveilleux. Je vais ouvrir une parenthèse. Le culte, lorsque nous le faisons à l'église, le culte n'est pas dédié aux hommes. Amen. Le culte est dédié à Dieu. Alléluia. Même si, papa, quand les gens disent, le culte aujourd'hui, ce n'était pas bon, est-ce qu'on l'a fait pour toi? Un culte peut paraître beau, bien, les gens sont dans la gloire, mais ça ne plaît pas à Dieu.
Le plus beau culte, on le dédie à Dieu. Voilà pourquoi tes points de vie dans le culte, garde-les dans tes poches. C'est lui, on fait le culte pour Dieu. C'est celui qui apprécie le culte. Amen. Il n'a pas bien chanté. Même s'il n'a pas bien chanté, Dieu a agréé. Amen. Il n'a pas chanté pour toi, il a chanté pour la gloire de Dieu. De Dieu. Voilà pourquoi après le culte, arrêtez de critiquer les gens. Amen. Il a bien chanté, il a une belle voix. Tu peux avoir une belle voix, mais Dieu n'agrée pas ça. Tu peux diriger la prière, les gens tombent, les gens font ceci. Dieu n'agrée pas ça. Parce que le culte est dédié à Dieu, pas aux hommes. Au lieu de rassembler les gens après le culte, je n'aime pas sa façon de faire les choses. Je n'aime pas comment il a fait. Papa, qui te voyait à yo? Les gens dans l'église, ils veulent jouer le rôle du Saint-Esprit dans l'église. Il pense que quand lui, il aime ça, Dieu aussi aime ça. Orgueilleux. Un homme orgueilleux, bien aimé. C'est une personne, bien aimé, qui cherche la gloire dans tout ce qu'il fait. Même quand il est une personne, il recherche toujours la gloire dans tout ce qu'il fait. Un homme orgueilleux ne paie jamais. Bien aimé, même au terme du couple. Un homme orgueilleux, Yaya, ne peut pas marcher avec Dieu. Un homme orgueilleux ne peut pas marcher avec Dieu. Pourquoi un homme orgueilleux ne peut pas marcher avec Dieu? Pour se gonfler d'orgueil, la plupart des hommes orgueilleux, ce sont de vrais menteurs. Il va gonfler les choses pour trouver la gloire. Même s'il n'a pas fait ça, il va le faire, il va le dire. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Il faut qu'il se gonfle. Il faut qu'il raconte des mensonges. La plupart des orgueilleux fonctionnent avec les mensonges. Nous, quand on a grandi, tu as grandi où? Nous, on a grandi bien. Au pays, on était bien. On a bien grandi. Si tu avais bien grandi, il fallait rester à Kinshasa. Oui, pour gagner n'importe où. Nous on est venu ici, c'est parce que là-bas ça n'était pas bien. Mais toi là-bas tu étais bien. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Menteur, orgueilleux. Si tu vivais, tu m'as fait de raisin là-bas. On était bien, on a bien grandi. Est-ce que je peux avancer? Amen. Un homme orgueilleux, dans son mariage, il ne peut pas voir la paix. Même quand il discute avec sa femme et son mari, il ne discute pas pour trouver la solution. Il discute pour avoir raison. Voilà pourquoi la plupart de vos conversations finissent en cacahuètes à cause de l'orgueil du cœur. Un orgueilleux bien-aimé, il met en premier ses qualités. Il a un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Un orgueilleux ne sait pas s'excuser ni reconnaître ses erreurs. Un orgueilleux, c'est le genre de personne qui attribue toujours les fautes de sa vie aux autres. Les Angati, c'est marrant. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne peut pas accepter ses failles et ses erreurs parce qu'il est malade. Voilà pourquoi il va les transporter chez les autres. Regardez toujours les hommes orgueilleux. Ils parlent toujours des autres. Dans leur bouche, la salama mabé, la somme saraboy, mais il faut même faire ceci, et on m'a fait cela. Tout ce qu'ils vivent dans leur vie, c'est un problème intérieur qui transpose chez les autres. Voilà pourquoi la plupart des gens orgueilleux, ils ont toujours des noms des gens dans leur bouche. Un homme orgueilleux, ce sont des gens qui parlent plus des autres que d'eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit ça même à l'église. Lorsque quelqu'un prend toujours son téléphone, t'appeler pour parler des autres, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés par délégation. Certaines personnes, ils vivent dans le péché. Quand ils prennent le téléphone, ils t'appellent. Ils veulent t'en marquer dans le champ du péché. Serviteur de Dieu, écoutez-moi. Lorsque tu prends ton téléphone pour appeler des gens, parler de Jésus-Christ. Amen. Arrêtez avec les noms des gens. Amen. Arrêtez
Après le culte est fini. Au lieu de partager le message, qu'est-ce que le pasteur a dit? Non. Un homme orgueilleux. Ayemba qui bienté. A sa qui modération bienté. A beta qui droum bienté. Il fouille le message. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît dans le message. Il ne peut pas parler du message. Il ne parlera que de failles des autres parce qu'il fouille le message. Regardez, tu vas voir. À chaque fois après le culte, regardez quand les gens vous appellent, où ils te parlent. Un homme qui est malade, tu vas l'écouter après le culte, il te parlera de ceux qui n'avaient pas marché au culte. Il te parlera de nom des gens. Il ne te parlera jamais de la prédication. Il ne sortira jamais la Bible pour dire que partageons un peu ce que le pasteur a parlé par rapport à l'orgueil. Regardez la vie de telle personne dans la Bible. Et c'est un homme orgueilleux. Voilà comment sa vie a fini. Il ne te parlera pas de ça. Il te parlera, Jérôme, tu as vu comment il a fait? Ceci, comment il a fait? C'est parce que les gens qui sont malades parlent des autres pour se trouver de l'équilibre. Pour vivre, ces centuries qui sont en vie, ils doivent diminuer les autres. C'est ça les gens orgueilleux. Même moi, pasteur, quand je t'appelle, je te parle de nom des gens. Ne prends plus ton téléphone quand je t'appelle. Parce que je t'amène dans le péché. Allô? Un homme de Dieu ou une femme de Dieu, quand il t'appelle, il doit te parler de quelque chose qui t'édifie. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à édifier les gens. Dis-lui, laisse les noms des gens. Oh Dieu, laisse les noms des gens. Parle de Jésus maintenant. Regarde-le, dis-lui, quand tu m'appelles prochainement, parle-moi de Jésus. Ne m'en parle plus des hommes. Maintenant pour terminer, que dit la Bible par rapport à l'orgueil? Nous allons chuter par là. J'ai parlé de l'orgueil sous tous les aspects de l'orgueil. Maintenant nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit réellement par rapport à l'orgueil. Bien aimé, dans toute la Bible, l'orgueil est le premier défaut par rapport à laquelle la Bible a été très explicite. Dieu a beaucoup parlé par rapport à l'orgueil. Proverbe 16, 18. 5 minutes. L'arrogance fait quoi? La ruine. Et l'orgueil précède quoi? Donc quand dans ta vie, tu t'embarques déjà sur la voie de l'orgueil. Lorsque tu laisses l'orgueil gagner ton cœur, sache que ton premier problème que tu auras, tu es en train de planifier le chemin de ta chute. Donc la vie, non, ce n'est pas Batoussous, c'est toi-même. Le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même d'abord. Le chemin le plus facile pour planifier ton échec dans la vie, c'est de prendre le chemin de l'orgueil. Parce que la Bible est claire, il dit l'arrogance précède la ruine. C'est que lorsque une personne, sa vie va être un échec, les éléments prémonitoires, c'est d'abord l'orgueil. C'est ça qui apparaît devant. Donc lorsque tu vois un homme orgueilleux, c'est un homme qui n'a pas d'avenir. C'est un homme que la Bible dit, il n'a pas d'avenir, il va chuter. On nous parle de l'orgueil précède la chute. Le moyen le plus facile pour échouer dans la vie, c'est de marcher dans l'orgueil, c'est de vivre dans l'orgueil, c'est d'être dans l'orgueil. C'est comme ça que dans la vie, tu vas ruiner ta vie. Pourquoi, pasteur Serge, tu nous prêches ces prédications-là? Je suis en train d'enlever dans ta vie tout ce qui peut faire en sorte que ta destinée soit un échec. Je suis en train de te montrer les secrets des hommes puissants. Ce sont des gens qui sont humbles, du cœur. Lorsque tu regardes le millionnaire aux États-Unis, tu vas lui trouver, il est en t-shirt, en jean et en basket. Mais c'est un homme qui claque des millions. Tu sais pourquoi? Un homme orgueilleux qui a un problème intérieur, il croit que ce sont le matériel qui font sa valeur. Voilà pourquoi ils sont accrochés au matériel. Tu veux que je te fasse rire? Même les gens que tu trouves des sapins, ils montrent les chaussures, ils montrent les choses. La plupart des sapins, ce sont des gens malheureux.
au fond d'eux, ils ont du manque. Ils pensent que quand ils montrent les habits aux gens, c'est ça qui fait leur valeur. Un homme qui a de la valeur, même en t-shirt et en basket, la valeur est en lui, n'est pas dans ce qu'il porte. Oh, porte la main sous tes poils. Superposé, papa. Un homme qui a de la valeur, c'est lui qui donne la valeur à l'habit qu'il porte. Amen. Mais un malheureux, c'est l'habit qui lui donne de la valeur. C'est ça qui fait que tu vas le voir à quelle fête tu abattes. Il prend le téléphone. Il fait des lives, malheureux. Tu es en train de montrer aux gens que tu t'es bien habillé. C'est parce que la valeur est attachée au matériel. Mais un homme qui est équilibré, la valeur est en lui. Quand je porte une belle chaussure, c'est ma valeur qui donne la chaussure, la valeur à la chaussure. À Kinshasa, je vis de femmes tellement qu'elles sont brisées à l'intérieur d'elles-mêmes. Papa, s'il ne se maquille pas, elle ne sortira pas dehors. Et devenir esclave de maquillage. Même quand il fallait acheter du pain au coin. Pourquoi? Parce qu'elle sait que sans maquillage, elle n'a pas de valeur. Voilà les grands problèmes. Tu as dissipé tout ton argent. Le problème n'est pas pour chercher à t'habiller bien. Le problème est que au fond de toi, tu as un problème. Voilà pourquoi tu veux essayer un peu de les compenser par les habits. C'est ça que tu vois même d'autres femmes. Il vit avec un copain, avec un fiancé qui le maltraite, qui l'insulte, mais n'arrive pas à le quitter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il croit que dans sa vie, c'est ce gars qui donne un sens à sa vie. Tu ne dors plus. Tu es même prête à te suicider. Pourquoi? Parce qu'Angélique t'a quitté. Parce que tu crois que dans ta vie, sans Angélique, tu n'as pas d'avenir. Malheureux que tu es. L'avenir appartient à Dieu. C'est Dieu qui a l'avenir. Mon avenir n'est pas entre les mains de n'importe qui. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi tu restes là, tu me quittes à Idonkey. C'est lui qui assure mon avenir, ce Dieu. Mais lorsque tu ne sais pas qui assure ton avenir, tu vas croire que ce sont les hommes qui assurent ton avenir. Des fois, je ris quand j'entends les femmes, après leur mariage. Merci, chérie. Tu m'as valorisé. Tu as donné de la valeur à ma famille. Ma sœur, quand tu dis ça, ton Oumoula, ce n'est pas le beau-frère qui donne la valeur à notre famille. Non. Notre famille a de la valeur. On a un nom. Nous sommes des billes, on a un nom. Ce n'est pas qui que ce soit qui viendra donner de la valeur à cette famille. Si je t'entends dire, papa, là, on doit m'acheter Koulouna. Amen. Un homme qui t'a épousé, Dieu lui merci. Merci parce que tu m'as honoré. Point barre. Il ne t'a pas donné de la valeur. Tu n'avais pas de la valeur avant. Tu entends qu'un homme puisse venir te donner de la valeur. Il y a Solouana à Togobunda. Là, il y a un bal, on se voit quand ça est celui qui donne de la valeur là aux autres qui savent. Non, je blague. Bien-aimés, tout ce qui nous font dire ces choses, c'est parce qu'en fond de nous-mêmes, nous n'avons pas l'estime de soi. Nous n'avons pas de la valeur. Même Bissoumibal, même les hommes, sous la drogue de l'amour, tu dis à Sophie, sans toi, ma vie est finie. Sans toi, ma vie est rien. Papa, à l'église, tu as dit, Jésus, tu as donné la valeur à ma vie. Tu es tout pour moi. Aucune église. À la maison, tu commences à dire, Sophie, sans toi, je suis rien. Ah. L'orgueil précède la chute. Envoie-moi le deuxième verset, papa. On est en train de chuter. Proverbe 16, 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Ça, c'est la Bible qui nous le commande. Enfin, la Bible nous dit, Dieu, envoie-moi le verset où Dieu résiste aux orgueilleux. Envoie-moi l'autre verset.
Non, non, envoie-moi l'autre. L'autre encore. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, il dit ceci. Dieu accorde au contraire une grâce aux plus excellentes. C'est pourquoi les Écritures disent, Dieu résiste à qui? Je vais m'arrêter par là. Quand je lis ces versets, ça m'a fait, je perdis les noms. J'ai dit, il y a deux choses, deux personnes par rapport à qui Dieu résiste. Dieu a dit à l'homme, résiste à qui? Au diable. Dieu a dit à l'homme de résister à qui? Au diable. Pourquoi Dieu a dit à l'homme de résister au diable? Pourquoi? Parce que l'homme ne vient que pour le diable ne vient que pour voler, détruire et manger. Il fait trois choses. Voilà pourquoi face au diable, Dieu te dit résiste. La deuxième catégorie de gens par rapport à qui Dieu dit qu'il résiste, ce sont les orgueilleux. Les orgueilleux. Maintenant, je me pose la question, pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? C'est que dans la vie, quand tu commets le rêve de tomber dans l'orgueil, ton premier ennemi, ça ne sera pas les hommes, ça sera Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va te résister. Beaucoup de gens ici que tu vois leur vie n'avance pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu leur résiste. Ils sont tombés dans l'orgueil. Et en tombant dans l'orgueil, Dieu lui-même a dit, lorsque tu tombes dans l'orgueil, ce ne sera ni ton père, ni ta mère, ni tes amis, c'est moi-même Dieu qui va te résister. Ils ne veulent pas de moi, ils me critiquent, ils disent tout, ils font tout, tout ce qu'ils font. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui te résiste. C'est Dieu qui permet que tu sois humilié. C'est Dieu. C'est lui. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, il résiste aux orgueilleux. Donc, dans la vie, si tu veux devenir un ennemi de Dieu, marche dans l'orgueil. Tu vas voir comment Dieu va résister même à tes prières, même à tes adorations. Donc, tout ce que tu fais dans la vie, Dieu, c'est lui-même qui va les détruire. Ce n'est pas le diable. Donc, tu as un problème avec Dieu quand tu deviens orgueilleux. Donc, s'il a dit à l'homme de résister au diable et que lui-même résiste aux orgueilleux, c'est que ça veut dire que et le diable et les orgueilleux, ils sont tous pas pareils. Maintenant, écoutez ceci. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Ça veut dire que et l'orgueilleux et le diable sont pareils. Le même travail que le diable fait, c'est le même travail que l'orgueilleux fait. Un orgueilleux détruit. Son père, le diable, détruit. Papa, le diable était au ciel. Tu sais qu'est-ce que lui avait précipité sur la terre? En voulant aller toucher la gloire de Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Donc, à chaque fois que tu veux prendre la gloire de Dieu sur toi, Dieu va te précipiter. Regarde ton voisin, tu lui laisses l'orgueil. Dieu va te précipiter. L'orgueil, papa, avait fait en sorte que le diable soit précipité. Voilà pourquoi le diable, en descendant sur la terre, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Un orgueilleux fait la même chose. Un orgueilleux détruit aussi. Une femme orgueilleuse détruit son mariage. Son intimité, donc baisse à la chance. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux pour son orgueil, il est capable de détruire ta famille pour son orgueil, soi-même. Un orgueilleux, il est capable de détruire l'église de Dieu. Voilà pourquoi avoir la compassion. Les hommes orgueilleux, pas de responsabilité. On ne peut pas dire ça. Un homme orgueilleux, il détruit pour son orgueil. Un homme orgueilleux ne demande jamais pardon. Comment tu vas nous diriger ici quand tu ne demandes jamais pardon? Comment tu vas nous diriger ici quand tu ne reconnais pas tes propres erreurs? On ne laissera plus le diable ici nous diriger. Voilà pourquoi pour diriger ici, on doit te checker, te passer à l'échographie pour savoir à qui on a affaire. Pourquoi? Parce que regarde les églises. Si aujourd'hui, combien des églises sont détruites à cause de l'orgueil? Le pasteur est tombé dans l'orgueil. Papa, on nous a dit Dieu résiste à qui? Bon, imagine-toi, si le pasteur tombe dans l'orgueil,
C'est Dieu qui va le résister, non? Est-ce que l'église va avancer? Est-ce que l'église sera une bénédiction? Beaucoup de pasteurs eux-mêmes, ils ont maudit leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à être orgueilleux. Tu avais 12 personnes, tu étais bien. Quand on commence à avoir 100 personnes dans l'église, le langage change. En fait, la plupart de ces pasteurs-là, ils ont un problème d'estime de soi. Ils pensent que comme ils dirigent les gens, ils vont prendre ça comme un sujet de gloire. Et Dieu va le résister. Voilà pourquoi quand tu es dans une église où le pasteur est orgueilleux, il faut quitter cette église. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais béni là-bas. C'est Amen. Dieu qui va vous résister. Amen. Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Un orgueilleux détruit. Regardez combien de femmes orgueilleuses qui ont détruit leur mariage à cause de l'orgueil. Une femme orgueilleuse, papa, je me pose souvent la question, je me pose souvent la question. Tu as des conflits dans ta famille, dans ton mariage ou dans ton couple. Papa, il faudrait que les gens viennent de l'extérieur pour te demander de faire la paix dans ta maison. C'est ta femme, c'est ton frère, c'est ta sœur. Il faut vraiment qu'on fasse vous asseoir pour vous supplier de faire la paix. Orgueil, vous pensez à la bouche, hein? Ta propre femme, pourquoi tu ne veux pas la pardonner? Pourquoi tu ne veux pas la pardonner? Il faut que le pasteur Serge arrive, vous fasse asseoir. Qu'on commence à intercéder pour que tu pardonnes à ta femme. Il n'y a rien sur cette terre des hommes comme l'orgueil peut rendre quelqu'un de bête. L'orgueil peut t'empêcher de réfléchir. L'orgueil, c'est comme la drogue. Un orgueilleux, il soutient ce qui le détruit. Et il détruit ce qui le soutient. Voilà pourquoi même quand tu épouses un homme ou une femme orgueilleuse, même quand tu lui dis « je t'aime », il dit « ah, c'est pas là-bas ». Parce qu'en elle-même, elle ne s'aime pas. Voilà pourquoi tout ce que les gens lui disent en bien, que tu es belle, tu es intelligente, que je t'aime chérie. Ah, tiganoura papa, tout l'air foufou. Pourquoi? Parce que son cœur s'est endurci dans le mal. Voilà ce qui arrive dans l'orgueil. Mais une personne, quand on lui dit de bien, c'est difficile pour que cela, le belle parole, c'est difficile pour que ça trouve une place dans son cœur. Mais Yébissé est capable. Mon Ozana, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas belle, c'est fini. Elle va garder cette parole-là comme la parole de l'évangile. Elle va commencer à marcher avec ça toute la vie. Donc, les gens qui ont un problème soutiennent ceux qui les détruisent et détruisent les paroles qui les soutiennent. Voilà là où la maladie arrive. Il faut l'inverse des choses. Dieu lui-même, un homme orgueilleux détruit. Un homme orgueilleux vole, comme les diables volent. Un homme orgueilleux vole la joie des autres, vole la paix des autres. Un homme orgueilleux égorge. Égorge, ça veut dire tuer. Tu sais qu'un homme orgueilleux peut te tuer à cause de son orgueil? Il y a un pasteur ici, sa femme lui a dit, je te quitte. Papa, à cause de son ego, de son orgueil, il a pris le revolver, elle a suivi la femme jusqu'au travail. Il a shooté sa femme devant ses collègues de travail. À cause de l'orgueil. Papa, l'orgueil, ça peut te transformer en meurtrier. À cause de l'orgueil, combien de hommes, papa, ici, on voit? Parce que le mariage s'est disloqué. Il a ramassé ses trois enfants. Il les a amenés dans les chalets. Il a pris un couteau, il les a égorgés. L'un après l'autre. Voilà l'orgueil de l'homme. Jusqu'où ça peut nous amener. Parce qu'il n'a pas accepté que la femme le laisse. À cause de son orgueil, il a éliminé des vies des autres. Papa, lorsque quelqu'un est dans l'orgueil, il faut faire très attention. J'attendais un frère à la télé qui pleurait et dit, c'est la première fois dans ma vie qu'on insulte ma mère. Et la personne qui a incité ma mère, c'est la femme que j'ai épousée. À cause de l'orgueil. Combien de femmes incitent de leur belle-mère? Cette femme qui était venue t'honorer, elle est venue à genoux, t'honorer devant les gens.
Et voilà, ça a été une doquité. Au continent, il y a une doquité. Il y a une doquité. Il y a une doquité. Il y a une malédiction dans ma balle. Il n'y a pas de doquité. Il n'y a pas de doquité. Tu commences à insulter ton beau-frère, tes belles-sœurs. Après, on tombe là-bas, on écrit sur le binzame. Après, on m'a Dieu résiste aux orgueils. Là où tu es parti, tu te poses les questions, pourquoi tu vas humilier les autres, les autres. À cause de l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Enlève l'orgueil dans ton cœur, les gens vont t'honorer. Dieu peut permettre même aux inconnus de t'honorer. Mais lorsqu'il y a l'orgueil dans ton cœur, Dieu ne bâtit pas sur l'orgueil. Dieu détruit l'orgueil. L'orgueil peut empêcher que tes prières soient exaucées. L'orgueil peut empêcher que, bien aimé, que tu puisses obéir à la parole de Dieu. C'est ça que tu vois un orgueilleux. Quand tout va bien. Oh, Dieu est grand. La parole de Dieu dit ceci. Mais quand il se fâche, si tu lui as un verset biblique, tu vas voir. Il n'y a pas de Bible ici. Pourquoi? Parce que l'orgueil est assis sur le trône de son cœur. Un orgueilleux dans sa vie, Jésus-Christ ne peut pas régner comme Seigneur. C'est lui qui est assis sur le trône de son cœur. Ah oui, l'église a son consabat. Mais la montée manale, qui bonga y est. Voilà pourquoi Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Dieu va permettre que certaines choses, que tu fasses des erreurs, pour révéler l'état de ton cœur aux gens. Que tu n'es pas ce que tu dis aux gens que tu es orgueilleux. Voilà pourquoi les hommes orgueilleux, ils ont l'injure facile. Pourquoi? Parce qu'ils veulent humilier les autres pour se sentir fort, pour se sentir bien. Est-ce que quelqu'un a été béni? Mais Dieu nous dit une chose. L'arrogance précède l'humilité. Il accorde au contraire la grâce plus excellente. Pourquoi il dit résister aux orgueilleux? Mais il fait grâce à qui? Le plus moyen d'être élevé dans la vie, c'est d'être humble. Quand j'ai regardé dans ma Bible, j'ai dit, Seigneur Jésus qui était Dieu, il est allé jusqu'à prendre le linge, il s'est assaini, il s'est mis à genoux, il a commencé à laver le pied de ses disciples. Il a dit, ah, Jésus, il a l'onction, il a la gloire, il a les anges, le monde lui appartient. Mais il s'est descendu jusqu'au point de laver le pied de ses disciples. Quelle humilité! Quelle humilité, Yaya! Voilà pourquoi ma prière chaque jour, Seigneur, donne-moi ton humilité. Si aujourd'hui dans l'église nous avons des problèmes, c'est parce que les gens ont voulu servir Dieu sans avoir un cœur de Dieu, un cœur d'humilité. L'humilité précède la gloire. Est-ce que tu veux être élevé? Marche dans l'humilité. Cherche l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui s'est battu chaque jour après jour. L'humilité, c'est apprendre à considérer le valeur des autres. L'humilité, c'est apprendre à voir le bien chez les autres, au lieu de toujours voir ce qui ne va pas chez les autres. Un orgueilleux, partout où tu les déposes, la première chose qu'il va voir, c'est les failles des autres. Même quand il se marie, la première chose qu'il va voir dans sa belle famille, ce sont les failles de sa belle famille. C'est à cause de l'orgueil du cœur. Dieu va te résister. Mais si tu veux que Dieu puisse t'élever, même vous les jeunes serviteurs, si vous voulez que Dieu puisse vous élever, le plus grand secret, c'est dans l'humilité. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est de la poussière qui relève les indigents. Dieu, pour élever quelqu'un, il ne regarde pas en haut. Il prend des gens qui sont en bas. Il les prend et il les élève. Mais lorsque toi-même, tu t'es placé en haut, Dieu ne te regardera jamais. Voilà pourquoi les amis, Dieu va les élever. Toi, tu ne vas pas t'élever. Pourquoi? Parce que Dieu, pour élever quelqu'un, attends la parole, il regarde par terre. Il cherche dans la poubelle, là où les hommes ont jeté, là où laissez les hommes t'humilier, laissez les hommes t'envoyer dans la poubelle, pour que Dieu puisse te ramasser dans la poubelle et t'élever. Tu veux être élevé, le plus grand secret, soit dans l'humilité. Tu veux avoir un bon mari? Tu veux bien te marier? Ton orgueil en tant que femme peut empêcher que tu puisses avoir l'homme de ta vie, à cause de ton orgueil. Tu peux rater la femme de ta vie à cause de l'orgueil. Tu sais, un couple formé par des orgueilleux, des fois, ils peuvent se séparer pour un rien. Comme il m'a fait ça, je ne vais plus lui appeler. Et lui aussi, il dit, à cause de mon orgueil, je n'appelle plus. Un mois, deux mois, trois mois, bouh, c'est l'orgueil. Alors que Dieu avait beaucoup de projets pour vous.
mais vous vous êtes séparés à cause de votre orgueil. Regarde ton voisin, tu lui cherches l'humilité. Lève-toi là où tu es, nous avons fini. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimée, dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.